Ce concert si particulier est d'abord un hommage aux victimes des attentats de Paris il y a 5 ans. C'est un concert qui est fait à la fois de musique d'aujourd'hui, avec une création contemporaine, une musique pour aujourd'hui et pour demain, une musique pour les victimes, et puis pour tous ceux qui ont été concernés par cela, donc dans cette dimension universelle que peut avoir la musique, et puis une œuvre de toujours, je dirais, avec une symphonie de Mozart, tout le message de Mozart, une œuvre de lumière, évidemment, la symphonie dite de Paris, pour venir en résonance à la création de Bécharel Khoury, compositeur contemporain qui a été choisi pour ce concert. Alors il a été choisi de manière particulière, ce compositeur, parce qu'il a été choisi par les parents d'une victime qui sont passés par un dispositif mis en place par la Fondation de France qui s'appelle l'action Nouveau Commanditaire, où un citoyen peut avoir envie d'art, peut avoir envie d'une commande. Ce qui est très émouvant, c'est la conjonction de tous les efforts, de toutes les parties prenantes, de tous ceux qui travaillent à ce projet. Et compte tenu quand même du grand nombre d'obstacles que l'on a rencontrés, que la persévérance est tenue jusqu'à maintenant et avec des personnes qui travaillent en fait dans des univers très différents, c'est magique. C'est magique et nous en sommes très heureux et nous avons une grande reconnaissance, une grande gratitude à l'égard de tous.